à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On se retrouve comme toujours pour un haul Kiabi. Ça va être, je crois, la petite tradition chaque mois de vous faire un petit haul Kiabi. Donc, chaque début de mois, j'ai pris les articles que j'avais mis de côté. J'ai rien essayé du tout. Donc là, je vais essayer en direct avec vous. Comme ça, demain, comme je travaille, je ramènerai s'il y a des choses qui ne me vont pas, que, voilà, que je n'aime pas porter et tout. On ne sait jamais. Donc, j'en ai eu pour un total de 75,37 €. Mais voilà, comme je vous l'ai déjà expliqué, voilà, j'ai ma remise personnelle vu que je travaille chez Kiabi. Donc, du coup, je paye quand même moins cher les articles. Tous les articles que je vais vous présenter, c'est des nouveautés qui sont actuellement dans vos Kiabi. Donc, si, voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez les retrouver. Je pense dans vos Kiabi ou alors peut-être sur le site internet. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, comme toujours, je vous montre les articles et après, je vous fais les pour commencer, j'ai acheté, j'ai acheté deux robes. C'est les mêmes, mais c'est juste que la couleur n'est pas pareille. Alors, je l'ai vu porter sur une de mes collègues. C'est voilà, la couleur qu'elle portait sur elle, c'était la même robe, hormis la couleur différente. Mais c'était une couleur qui était en vente que sur le site. Et malheureusement, on ne la retrouve plus. J'ai voulu la commander, mais plus possible. Mais on a reçu deux autres coloris. Et vraiment, je les ai trouvés très jolies. Ça, c'est vraiment les robes parfaites pour tous les jours, quoi, j'ai envie de vous dire. Voilà, les petites robes assez, assez classiques pour voilà, tous les jours avec une petite paire de Converse et tout. Donc là, vraiment parfait. Même si, bon, le temps dans le Nord est extrêmement compliqué. C'est vrai que voilà. Le matin, il fait frais. L'après-midi, il fait bon. Voilà quoi. Rien de fou. Mais du coup, voilà, je les ai prises. Donc, je vais juste hop, remettre les petits boutons. Donc, la petite robe se présente donc comme ça. Donc, elle est noire avec des poches sur le devant. Un peu effet t-shirt. Le petit col. Voilà, tout simplement. Resserré au niveau de la taille par une cordelette. Et ça fait, voilà, en version jupe. Donc vraiment, la petite robe classique, parfaite, très jolie. Voilà, moi, tout ce que j'aime porter avec un shorty et tout. Donc voilà, vraiment, j'ai hâte de les laver et tout. Et voilà, pour pouvoir les porter, même pour aller bosser et tout. Donc, j'ai pris en taille XL, mais ça taille quand même grand. Donc, je vais voir si ça me va. Sinon, j'avais laissé les L de côté. Donc, comme ça, je les remettrai en rayon. Donc, elles sont au prix de 22 €. Donc, du coup, j'ai prise la noire. Hop. Je vais réenlever les boutons. Donc, j'ai prise la noire. Hop. Et j'ai prise aussi en version camel. Hop. Voilà. Donc, j'ai pris comme ça. Et en version un peu, ouais, même pas camel, j'irais beige. Ouais, eux, c'est ce qu'ils disent, beige. Donc, pareil, 22 €. Voilà, donc elle est vraiment voilà, très, très jolie. Voilà, comme je vous dis, ça, c'est la robe parfaite pour tous les jours. Vraiment, voilà, avec une paire de Converse. Même en automne, vous mettez ça avec un gilet, des collants, des bottes. Franchement, ça fait tout son effet. Donc, voilà, vraiment, je les ai trouvées super jolies. Donc, comme je vous dis, il existe en bleu marine. Ma collègue l'a acheté en bleu marine, mais malheureusement, moi, plus moyen de la trouver sur le site. Là, je vais réessayer, mais je pense que l'article n'existe plus. Donc, c'est bien dommage parce que je l'aurais prise aussi en bleu marine. J'aurais pris clairement les trois coloris. Ça, c'est des choses que je kiffe. C'est parti pour la robe. Bah, écoutez, franchement, au niveau de la taille, très bien. Vu que c'est resserré, ça resserre bien au niveau de mes hanches. Vraiment, ça descend super bien. Ça descend vraiment au-dessus. Hop, ça descend au-dessus des genoux, donc vraiment très très bien. Bon, moi je mettrai un shorty évidemment, mais voilà, avec des petites Converse, parfait. Par contre, c'est au niveau du haut, je trouve que ça baille quand même, ça baille quand même quoi. Donc j'hésite, est-ce que je prendrai pas la taille L ou à moins que je mette une ceinture. Je vais essayer de voir avec une ceinture. Voilà, donc avec une ceinture, peut-être que ça fera plus joli. Hop. Hop,
Parce qu'à chaque fois, le problème que j'ai, c'est que au niveau du ventre, bah ici, au niveau des hanches et tout, ça va. Mais par contre, arrivé au niveau du haut, vu que j'ai pas non plus une grosse poitrine, bah du coup, ça baille. Donc, je ne sais pas. Donc, je me regarde en même temps dans le miroir. Alors, c'est vrai que ça fait plus joli resserré avec une ceinture. Mais après, le truc, c'est que ça risque peut-être de bouger au lavage. Donc, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Est-ce que je prends le L quand même? Après, non, je suis bien et tout dedans. Non, je ne vais pas m'embêter. En plus, moi, à chaque fois, ça m'embête de faire des échanges et tout. Donc, non, je pense que je vais la garder, comme je vous dis, la resserrer, voilà, avec une ceinture. Après, au lavage, de toute façon, ça va... Ça rétrécit toujours plus ou moins les vêtements qui habillent. Donc, non, je ne vais pas m'embêter. Franchement, j'aime bien comme ça. Donc, ouais, je ne vais pas... je vais pas m'embêter. C'est pas la peine. Donc, du coup, bon, j'essaye la noire. Je ne vais pas essayer la beige. Ça ne sert à rien. Ça sera quasiment la... Voilà, ça sera la même chose. Hormis que c'est du beige. Donc, de toute façon, vous me verrez sûrement avec dans des vlogs. Mais franchement, je les trouve trop jolis. Puis ça, comme je vous dis, c'est parfait. C'est parfait pour tous les jours. Même comme ça, un peu plus ouvert pour faire un plus joli décolleté. Ouais, franchement, ça peut faire joli aussi. Bon, là, j'ai laissé mon débardeur. Mais franchement, ça peut faire joli aussi. Un peu plus ouvert. Mais franchement, non. Très, très joli. Ça, j'adore. Des petites robes parfaites pour tous les jours. Après, c'est que des hauts que j'ai achetés. Voilà. Que des hauts. Alors, j'ai pris... un petit article qui est tendance en ce moment. Écoutez, je l'ai pris, je me suis dit on va tester. Donc on le voit passer en ce moment sur TikTok. C'est un petit chemisier blanc comme ça. Voilà, petit chemisier blanc qui est en fait resserré avec trois lacets. Donc là, ça va rien vous, voilà, ça va rien rendre étant donné que les lacets sont défaits. Mais en fait, c'est des petits chemisiers avec des lacets. Donc j'ai une de mes collègues qui m'a dit que c'était voilà, c'était tendance en ce moment et tout, voilà, vraiment que c'était c'était les articles tendance du moment. Donc écoutez, c'est vrai que je l'ai trouvé joli. En plus, vu que j'ai acheté mon jean taillotte blanc le mois dernier, le wide leg, c'est vrai que je me suis dit ça pourrait faire super joli. Donc du coup, ça se présente en fait comme ça. Donc voilà, c'est très joli, hop, donc c'est vraiment comme ça avec plein de petits motifs dentelés. Voilà, donc très très beau. Et c'est comme ça. Et en fait, vous avez voilà, vous avez quand même une petite doublure. Bon, évidemment, j'ai acheté un débardeur parce que je n'ai pas laissé ça comme ça. Mais bon, je vais le voir porter un petit peu. Je vais voir ce que ça donne porter. Mais pourquoi pas avec mon, comme je vous dis, mon jean blanc que j'ai acheté. Ou alors un jean basique. Donc du coup, j'ai repris un petit débardeur blanc. Voilà, parce que ça, c'est vrai que des classiques comme ça, noir et blanc, j'en manque. Donc du coup, voilà, je me suis dit, je vais prendre. Donc j'ai pris en taille L parce que le XL, il est quand même très grand. Donc 2,50€. Et j'ai oublié de vous montrer, celui-là, il est à 18€. Et vous l'avez aussi en bleu. Bon, moi, j'aime pas en bleu, je préfère largement en blanc. Alors, pour le petit... franchement, le petit chemisier, je suis un peu mitigée. Autant, il est hyper mignon, très léger, il est parfait et tout. Mais par contre, je sais pas, les ficelles comme ça, je trouve que ça fait pas joli, ça part dans... un peu dans tous les sens, quoi. Donc, non, vraiment pas fou. Voilà, je trouve pas ça fou. Après, bon, le décolleté est quand même fort prononcé, mais ça encore, ça me dérange pas. Mais c'est vraiment le côté des ficelles et tout, je trouve que... voilà, ça part un petit peu dans tous les sens. Après, quand je me regarde dans le miroir, voilà, je le trouve mignon et tout, mais vraiment, les ficelles, non, comme je vous dis, je suis pas fan du tout. Ouais, non, franchement... non, ça je vais aller le ramener demain parce que vraiment non, c'est pas mon truc. Après, franchement, là avec même mon jean noir comme ça aurait pu passer et tout, mais non, franchement, le côté ficelle comme ça, je sais que c'est un truc que je vais porter une fois et que je pense que je ne mettrai plus. Non, franchement, non, vraiment, je vais pas m'embêter. Oui, je suis collée contre mon miroir, du coup. Mais non, franchement, je trouve ça part dans tous les sens et tout. Non, c'est dommage. Limite, je l'aurais acheté en haut basique sans les lacets, vous savez. Mais là, non, c'est pas la peine. Je sais que je le mettrai pas. Donc, non, ça, je vais le ramener demain. C'est pas la peine. Je sais que je le mettrai pas. Pourtant, il est très, très joli. On m'a dit que c'était la mode du moment. Mais
Non, comme je vous dis, ça va pas du tout. J'aime pas, non, vraiment, les lacets là, j'aime pas du tout. Au niveau des hauts, c'est pareil, un petit débardeur, une de mes collègues l'a acheté et je l'ai trouvé, mais magnifique. Hop, un petit débardeur comme ça. Vraiment, il est assez simple, je trouve, en beige, mais vraiment, il est très très beau. Voilà, il est comme ça. Je trouve que ça change de mon style habituel, donc c'est pareil avec un petit jean et tout. Vraiment très très sympa. Pareil, ou alors mon jean blanc que j'ai acheté, mais voilà, vraiment très très beau. Donc du coup, j'ai pris ce petit débardeur là, le petit basique en XL, 12 ans, 12 euros plutôt, 12 euros. Bah le débardeur, écoutez, c'est pareil, demain je vais le ramener, déjà il est trop grand, c'est pareil, je prends toujours des tailles immenses, à L, ça aurait été parfaitement, et puis je sais pas, je trouve quand même qu'il est chaud, la matière elle est quand même assez épaisse, assez chaude. Et puis, je sais pas, honnêtement, je sais pas si c'est le genre d'article que je vais porter, honnêtement. Je sais pas, avoir comme ça sur le cintre, il est très beau. Mais en vrai, je sais pas si c'est le genre d'article que je vais porter en vérité, honnêtement. Pour vous dire la vérité. Je sais pas. Ou alors, peut-être plus comme ça. Oups, bon déjà ça commence. Ou alors, comme ça. Ouais. Après, c'est vrai que ça, c'est pareil. C'est le genre de truc qui va être très très cire au lavage. Après, ouais. Après, porter comme ça, ça fait tout de suite... Ça fait tout de suite plus joli. Bon, là, on voit l'étiquette derrière, mais... Je sais pas. Honnêtement, j'hésite. Après, il n'est pas vilain comme ça porté, ou alors même avec un short noir, ou... Ouais. Ouais, j'hésite. Après, c'est juste derrière, il est fort décolleté. Hop. On voit mon débardeur, donc il faudrait limite que je le remonte un petit peu, mais... Je sais pas. Honnêtement, j'hésite. Après, ouais, non. Après, il est beau quand même. C'est pas le genre de couleur que j'ai. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas est-ce que je le garde ou pas. Franchement, si j'hésite comme ça, c'est que bon. Ouais, non, franchement. Est-ce que je vais vraiment le mettre? Après, c'est un truc léger et tout, ça va être bien. Mais déjà là, je trouve que ça me gêne au niveau des manches. Je sais pas, je trouve que les manches, elles... Ça... Je sais pas, elles descendent et tout. Donc si je le mets et toute la journée, je suis toujours en train de le remettre comme ça, ça va me saouler. Ou alors il faut que je voie et que je prenne un taille L. Ouais. Je pense que je vais voir demain pour prendre un taille L. À la limite. Et pour finir, j'ai pris deux petits body. Je les ai vus porter sur une collègue. Je les ai trouvés, mais magnifiques. Donc ça, c'est pas le genre de body que je mettrais pour aller travailler. Mais vraiment, s'il fait très chaud. Vraiment, je l'ai trouvé très joli. Il est voilà, un peu sexy et tout quoi. Donc vraiment je l'ai trouvé juste trop beau. Donc hop, donc c'est un petit body en fait qui est comme ça. Donc hop, il est en noir, donc il est comme ça, c'est un petit body simple. Et en fait vous avez des bretelles comme ça, donc c'est assez sexy et tout. Donc bon, moi je mettrais quand même un soutien-gorge, hein. Je peux pas faire sans soutien-gorge. Mais franchement il est très très joli. En plus... 12 euros. Donc là, j'ai pris XL parce que c'est quand même une matière assez collée au corps. Donc, je préfère être à l'aise dedans et qu'on ne voit pas non plus trop mon ventre. C'est une matière un petit peu maillot de bain, on va dire. Je sais pas comment ils appellent ça. Polyamide, voilà. Polyamide élastane. Voilà. Et je l'ai pris, du coup, en marron. Parce qu'en marron, je l'ai trouvé aussi, mais magnifique. Donc, du coup, je l'ai pris en marron. C'est pas ce que j'ai l'habitude de porter, mais je l'ai trouvé trop joli. Donc en version body, ça vraiment, s'il fait très chaud, ça va être voilà, parfait. Donc voilà pour tous les articles que j'ai pris. Donc l'air de rien, comme vous voyez, ça monte quand même assez vite. J'ai pas non plus énormément d'articles. Ouais, j'en ai 7. C'est vrai que ça monte quand même extrêmement vite.
Mais voilà, de toute façon, comme je vous dis toujours, c'est vrai que Kiabi a quand même amélioré ses collections, etc. Donc bah voilà, le prix a quand même augmenté, mais ça restera toujours avantageux comparé aux autres magasins. Et pour finir, les body. Alors franchement, ils sont très beaux. Franchement, ils sont très très beaux. Voilà, je trouve que ça fait sexy sans en même temps être vulgaire. Mais par contre, je pense que je vais prendre quand même une taille en dessous. Ou alors, je sais pas, peut-être au lavage, ça va peut-être pareil rétrécir. Parce que au niveau, pareil, de la poitrine, voilà, ça bouge un petit peu. Donc j'ai quand même peur qu'on voit quoi. Donc là, j'ai enlevé les bretelles de mon soutien-gorge. Parce qu'évidemment, moi, je vais pas mettre sans soutien-gorge. Mais franchement, voilà, ils sont très très beaux. Donc du coup, bon, j'en mets qu'un, le marron, ça sera la même chose. Mais vraiment, ils sont quand même, voilà, ils sont très très jolis. Vraiment, même pour une soirée et tout, franchement, voilà, ça fait très très beau. J'aime beaucoup. Mais comme je vous dis, peut-être une taille en dessous, ça aurait été bien. Mais le problème, c'est que moi, la taille et tout, il va super bien. Donc peut-être à voir en machine si, voilà, ça va pas, comme je vous dis, après, ça va un petit peu rétrécir. Et ça ira mieux au niveau de ma poitrine. Mais franchement, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Après, j'aime bien. Voilà. Après, j'ai pas l'habitude d'avoir comme ça les épaules dénudées et tout. Mais franchement, c'est très joli, comme je vous dis, pour une petite soirée et tout. Vraiment, voilà, pas mal du tout, évidemment, pour pas. Je vais pas les bosser avec ça. Mais vraiment, pour une soirée ou alors pour l'été, vraiment très sympa. Vraiment très joli. J'aime beaucoup. Donc, du coup, on va clôturer. Non, mon tabouret, il est là. Hop, mon tabouret, il est là. Donc. Voilà, donc comme je vous ai dit, hop, je vais vous remettre comme ça. Ouais, là, on le voit aussi, on voit mon soutien-gorge et tout. Ouais, il va juste falloir, c'est les... Ou alors, je prends des tailles L. Ouais, peut-être prendre du L aussi. Bon, en fait, au final, je crois que tous mes achats, je vais prendre en L parce que j'ai vu trop... voilà, j'ai vu trop large, hein, comme toujours. Mais franchement, en tout cas, très, très contente de mes achats. Donc, comme je vous ai dit... Le petit chemisier, je vais le ramener. Hop, ça c'est pas la peine, je sais que je ne mettrai pas. Ouais, non, sinon toute la soirée, je vais devoir le remonter. Donc comme je vous ai dit, ça, je vais le ramener, c'est pas la peine. Je sais que je le porterai pas avec les petits nœuds devant et tout. Non, franchement, j'aime pas. Et celui-là, c'est pareil, je suis trop en hésitation dessus. Donc je vais le ramener aussi. Je vais pas m'embêter, hop. Voilà, je vais pas m'embêter. Ça, voilà, ça, remboursement pour les deux articles. Et à la limite, les body, vu qu'ils sont quand même larges, je vais peut-être partir sur un taille L. Peut-être taille L pour les deux body. Et les robes, non, les robes, je vais les garder comme ça. Comme je vous dis, resserrer avec une ceinture et tout, ça ira. Mais ouais, non, ça bouge quand même vachement. Après, je veux bien la machine à laver, mais je sais que toute la soirée, je vais être comme ça. Ça va me gêner et tout. Donc, ouais, je préfère anticiper et prendre un taille L. Donc, du coup, voilà, je ferai mes petits échanges demain. De toute façon, je finis à 20h. Donc, je pourrai faire mes échanges à 19h à la fermeture du magasin. Donc, voilà pour toutes les petites nouveautés. J'espère que ça vous aura plu. Comme je vous ai dit, de toute façon, vous retrouverez tout. Tout est en magasin, c'est des nouveautés, donc voilà, vous retrouverez tout. J'espère que ce haul vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, vous abonner pour faire agrandir la chaîne, mettre les pouces bleus, activer la petite cloche. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et à très vite pour de nouveaux hauls Kiabi. Salut.